bien, salut à tous, c'est Mafia Stunting, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 10 de ma série des top 10. Et voilà, donc avant de commencer, ça va être vraiment du lourd comme d'hab, je vous l'annonce. Et je voulais vous dire aussi que ça sert à rien de m'envoyer vos clips pour le prochain épisode, puisque le prochain épisode je vais faire le best of the best. C'est-à-dire que je vais regrouper tous les premiers des 10 épisodes en un épisode. Et donc voilà, ne m'envoyez pas vos clips pour le prochain. Merci à tous et bon visionnage. Eh bien c'est parti, on commence à la 10ème position avec Sombre Noob sur Next Gen, avec son BMX, on est en première personne. Et regardez, il a sauté pour grinder toute cette barre pour aller atterrir là-bas, c'était joli, bien joué. Ok, 9ème place, on continue avec encore un clip BMX, cette fois-ci Estopin. Regardez ce qu'il va nous faire, il va sauter de barre en barre en grindant en même temps. Voilà, c'était joli, bien joué. On continue avec Ogohan, 8ème position, et regardez ce qu'il va nous faire, il va nous trouver un nouveau parking entry. Donc il va tourner vers la droite, taper un rebord sur le côté de l'autoroute et voler jusque dans le parking. Et c'était vraiment très bien fait, en tout cas niveau réception c'est parfait, donc bien joué à toi. Ok, on enchaîne à la 7ème position, regardez O'Raven O's qui va nous faire, c'est assez incroyable. Il va faire un énorme glide en BMX, j'ai coupé la vidéo pour raccourcir un petit peu le clip. Il va finir son backflip sur le Penrith Building et voilà, ça a l'air vraiment pas facile comme stun, donc bien joué. 6ème position, Neos HD, vous allez voir un clip de dingue avec ça à coup de chou. Donc il arrive à pleine vitesse pour taper une haie et aller voler sur ce bâtiment qui a déjà été fait, c'est pour ça que je l'ai pas classé mieux que ça. Mais en tout cas c'était un stun vraiment épique, bien joué à toi. Ok, number 5, alors là c'est un clip assez spécial en BMX avec Spinner 04. Et vous allez voir, il est en train de nous faire des switches, donc ça s'appelle comme ça, sur cette barre. Et apparemment il en a fait 11 et c'est un record sur GTA 5, donc bien joué à toi, tu mérites ta 5ème place. 4ème position avec un clip de Playa The Gamer et un stun très difficile à rentrer parce qu'en fait le rebord qu'il a pris pour bump et atterrir sur ce bâtiment, il est très dur à prendre, il est assez haut, donc je trouve qu'il a bien géré, tu mérites ta 4ème position. Number 3 de ce top 10 Brazilian Stunts, et vous allez voir un stun de précision comme vous n'en verrez pas souvent. Je vous laisse simplement regarder l'envol qu'il fait et où il va atterrir, franchement c'est tout à fait incroyable, GG à toi. 2ème position de ce classement avec Monsieur Stone 06, regardez ce qu'il va nous faire, il arrive à pleine vitesse. Avec ça à coup de chou, il va taper un bump sur un spot très connu, sauf que lui il va monter très très haut pour aller se poser sur ce bâtiment. Franchement c'est incroyable, bien joué à toi. Ok, on arrive à la première position de ce classement avec Fusky, regardez ce qu'il nous fait. Alors quand j'ai vu ce clip, j'ai dit celui-là il va être très bien classé. Et ben en fin de compte je l'ai mis premier, parce qu'en fait il va réussir un triple bump, si vous regardez bien au ralenti, pour aller s'envoler sur ce bâtiment. Franchement c'est incroyable, tu mérites largement ta première position. Bien joué Fusky. Et bien voilà les gars, c'est la fin de ce top 10, j'espère que vous aurez apprécié et passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à partager comme d'habitude. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.